Salut à tous. Voici la guerrière. Tu fais un truc, non? Non, mais après, tu vas pas me ressouler avec ça guerrière. Ça va, ça va. Ça t'aurait pas plu de venir sur un cheval à faire la guerrière? Ouh, Dada. Non, c'est bon. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Salut tout le monde. Un peu spécial. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est dimanche matin. Voilà. Et voilà. C'était pas prévu. Vous avez pas eu de vidéo, enfin, vous avez pas eu de vidéo de nous cette semaine. Vous avez eu les portraits. On va en reparler en dernière partie de vidéo d'ailleurs, de tous ces portraits, les retours qu'on a eu par rapport à tout ça. Mais avant tout, on va vous passer les petites séquences vidéo de ce qu'on a fait cette semaine. Donc, on a vendu le Dax, on a été chercher une voiture, enfin à peu près, hein, la semaine d'avant. On a été chercher une voiture, on a fait 2-3 réparations dessus, contrôle technique, c'est OK, carte grise, c'est OK, vous inquiétez pas, on a acheté ça à des gens du voyage, on a eu des remarques comme quoi, ah, c'est une voiture volée, c'est bon, tout est passé, c'est pas tout une voiture okay. Volée. On a les papiers à notre nom, il n'y a aucun souci et elle roule super bien. Donc, on va vous passer tout ça. Ensuite, j'ai donné la main à une copine qui a un camping-car... Il y avait des petites bricoles à le refaire dessus. Donc je pense qu'il faudra qu'elle revienne parce qu'on n'a pas pu tout finir. Je vais vous mettre les petites séquences aussi. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans ces vidéos? Deux, trois bricoles, 2-3 bêtises, karaoké, tout ça. Ouh, la fête, j'ai acheté un micro et tout, vous parce avez que vu. Si vous nous suivez sur Instagram, vous avez vu. Déjà oreilles. Surtout avec Charlotte. Non, franchement, c'était trop cool. On les laisse visionner tout ça, on les retrouve après. Allez, c'est parti, on vous attend dans le froid là. Ouais, allez, bon visionnage. Bon visionnage. Salut à tous, et non, vous ne rêvez pas, il y a du soleil. Regardez, il est là-bas, en plein dans le pif. Voilà. Bon, bah, je viens aux nouvelles hein, parce que il s'est passé 2-3 petites choses là récemment. Tout d'abord, on a vendu le Dax. Comme on est posé ici environ, je ne sais pas, un mois, 2 mois, 3 mois, on ne sait pas encore. Le Dax, ça commençait à être un peu délicat pour emmener tout le monde, en fait. Donc, il y a un bandit qui nous l'a acheté. On l'a chargé dans son camping-car et tout. Donc, voilà, longue vie à lui et à ce petit Dax. Ça va bien lui servir, en tout cas. Et du coup, vraiment, sur un coup de hasard, on a chopé une voiture. Vraiment pas chère, en fait. Et on est super content parce qu'elle roule super bien. Et je vais aller vous la faire voir. Et là, je suis en train de nettoyer le moteur. Et d'ailleurs, je suis allé chercher mon téléphone parce que j'ai dit, tiens, faut que je leur parle de ça. Il n'y a pas de communication commerciale. Hein. Voilà, ça c'est vraiment un produit que monsieur m'avait donné quand on était au VDL, vous savez. Et là, j'en ai mis partout sur le moteur avec un spray. Et c'est super étonnant. Ça fait une genre de petite mousse et tout sur le moteur. Donc, je suis en train de bien laisser agir. J'ai fait chauffer un tout petit peu le moteur pour qu'il soit tiède. Là, je suis en train de laisser agir et j'ai l'impression que ça va super bien fonctionner, ce savon. Donc, je vais vous montrer ça et je vais aller vous présenter justement le véhicule. Voilà. Donc, nous, vous savez qu'il nous fallait un 7 places et on était parti sur ça à la base. Et il y avait tout, encore des 806, des espaces, il y avait un peu tout ça. Et puis là, on est tombé sur un Zafira qui venait d'arriver. Et en fait on a été le voir et on l'a acheté. Donc moi Zafira, j'étais pas trop pour les Zafira, je sais pas, j'aimais pas trop ça, enfin voilà. Et on dit, pour le prix on a dit allez, on va y aller. Donc il est à 1000 €, on l'a négocié à 900. On a acheté ça à des gens du voyage, d'ailleurs très gentil. Et parce que c'est voilà, ils font des achats-reventes de voitures. Il avait sa petite boîte d'achats-reventes de voitures. Et celui-là il venait de l'acheter et il fallait qu'il le revende. Voilà, et en fait il se trouve que quand on a regardé les papiers, c'était une reprise d'un autre garage et c'est une première main, donc on est super content de ce côté là et vous allez voir, elle est vraiment nickel et ça roule super bien. Et du coup bah, je suis super étonné parce que moi qui n'aimais pas cette voiture de base, en fait j'étais pas trop pour les Opel de toute façon, et bah là je me suis rendu compte qu'en fait il était bien foutu hein, ce petit Opel Zafira là. Donc je vais vous le faire voir, regardez, il est là. Hop, vous voyez ? C'est un élégance. Attention, c'est un élégance. Regardez l'intérieur. Hop. Il est super propre. Bon, on l'a tout nettoyé. Hein. Il était un petit peu plus crado quand même. Hein. On l'a tout nettoyé. Et voilà, tout le monde a trouvé sa petite place et tout. Voilà. Les sièges bébé sont tout au fond. Et il fonctionne super bien. Là, je vous fais voir le moteur qui est un peu cracra. D'accord. Donc, c'est un 2 litres EcoTech 125 chevaux. Ça marche plutôt pas mal, hein, franchement. Et il y a une distribution à chaîne, c'est ça qui est bien. Voilà, ça y est. Regardez, c'est tout propre. Franchement, ce petit produit-là que je vous ai fait voir tout à l'heure,
Il fonctionne super bien. Et vous savez que j'ai l'habitude d'acheter des voitures, de les laver, tout ça. Donc j'ai l'habitude des savons. Et celui-là, ce qui est bien, c'est qu'il ne laisse pas de traces sur l'aluminium. Des fois, ça attaque et ça laisse des petites taches, tout ça. Ça oxyde. Et là, ça n'a pas laissé de traces. Donc en fait, il faut vraiment bien le laisser agir pour qu'il fasse son travail. Ensuite, vous passez un coup de Karcher. Regardez, franchement, c'est nickel. Je suis super étonné du résultat. Voilà, j'ai pas de, on n'a pas fait de partenariat ou quoi que ce soit, mais je voulais vraiment vous en faire part de ce petit produit qu'on m'a donné au VDL, qui fonctionne vraiment super bien, quoi. Je suis super content. Ouais, c'est super. Allez, du coup, je nettoie la voiture. Je suis parti. Hein. On l'a emmené au contrôle parce qu'on l'a acheté sans contrôle. Il n'est pas passé à cause d'une ampoule de veilleuse, donc je l'ai changé aujourd'hui. Les pneus arrière étaient assez usés, on les a changés, on en est pour 140 euros à peu près, donc ça va. Non, 135 euros les deux montés équilibrés. Et il y avait la petite mâchoire de frein à l'arrière, vous savez, de frein à main, qui était grippée. Donc je l'ai dégrippé en arrivant, franchement j'aurais pu le faire au contrôle, c'est dommage. Et puis après voilà, on a fait marcher pas mal de frein à main. Et là, ça commence à beaucoup mieux freiner. J'avais vraiment un frein sur les deux qui fonctionnait pas. Donc, il est juste pas passé au contrôle à cause de ça. Donc, franchement, c'est pas grand-chose. Et je le repasse lundi. Normalement, on devrait être tranquille. Voilà. Donc, maintenant, on a une petite voiture pour se déplacer. On va pouvoir commencer à organiser notre futur projet. Et après, il faudra qu'on trouve un 4x4. Et là, on hésite entre pas mal de modèles. Le top, c'est les Toyota HDJ80, mais bon, c'est super cher et ça a beaucoup de kilomètres. Ensuite, les Defender, moi j'aimais bien, mais c'est pas très très fiable malheureusement, hein, même si c'est des super franchisseurs et qu'ils ont une habitabilité qui est géniale. Il y a que eux qui ont ça. Ils sont super grands, super gros, super larges. Mais voilà, si c'est pour avoir des soucis, c'est pas la peine. Voilà, moi je connais un 4x4 qui est super bien, sinon j'en ai eu deux, des comme ça, des Terrano en 3 litres. J'en ai eu deux, c'est super costaud, je connais bien les châssis, je connais bien les moteurs. Mais c'est vrai que c'est un peu plus petit. Et du coup, en parlant de Nissan, on a vu les Patrols. Et les Patrols, c'est pareil, j'aimais pas trop le moteur 6 cylindres. Il avait des problèmes de refroidissement, celui qui était au fond au niveau du pare-brise. Les deux cylindres, ils avaient du mal à refroidir. Et il y avait souvent quelques soucis. Et par contre, je me suis dit, tiens, si à partir des années 2000-2002, je crois, ils ont mis le 3 litres 4 cylindres sur le Terrano, je fais peut-être qu'ils l'ont mis aussi dans le Patrol. Et du coup, j'ai regardé, et il se trouve que oui, ils ont mis le 3 litres 4 cylindres dans le Patrol, donc c'est le GRY61, si je dis pas de bêtises, qui fait 150 chevaux, et par contre, il est grand. Il fait 5 mètres de long, donc il se rapproche en gabarit, il se rapproche d'un Defender, il est large, il est long, et nous, c'est ce qu'il va nous falloir, quelque chose de large et long. Pour pouvoir mettre les tentes de toit et puis pour qu'il puisse aussi avoir assez de puissance et qu'il soit assez posé pour retirer la remorque sans que ça nous bouge, vous savez, un truc léger parce que la remorque fera son poids aussi. Voilà, donc voilà ce qui nous attend pour la suite, trouver le bon modèle de 4x4 et commencer à s'occuper de tout ça. Bon, ce qui est pratique aussi, comme on est rentré, c'est que Charlotte elle va pouvoir retourner voir sa petite maman. Donc là, on va les voir, hein, souhaiter la bonne année, normal, hein. Formalité, on va dire, voir la belle-mère, petite galette des rois. Vous avez vu, c'est chouette. Hein, waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle en a de la chance, ta mère. Attends, bah quoi? Attends, ça va? C'est encore Noël, non? C'est encore la fête? Oh, faut que je vous laisse. Là, faut vraiment que je vous laisse. Salut. On se retrouve ce matin, regardez, je voulais vous faire partager un truc. Bon là je suis dans la voiture et la ventilation elle fonctionne plus. Et ça c'est un peu embêtant et vous avez remarqué c'est toujours en hiver, c'est comme les bouteilles de gaz, c'est toujours le dimanche ou alors un jour férié ou alors en pleine nuit. Donc là c'est l'hiver, la ventilation fonctionne plus, donc ça serait bien qu'elle fonctionne parce que c'est chiant. J'ai l'air chaud qui vient mais le ventilateur ne tourne plus. La commande réagit bien aussi. Donc ça vient vraiment ou alors du ventilateur ou alors vous allez voir, je vais démonter, c'est un petit boîtier avec plusieurs résistances, il y en a plusieurs modèles et c'est sensiblement pareil sur à peu près toutes les voitures, c'est quasiment souvent sous la boîte à gants. Vous avez un ventilateur et vous avez une petite résistance qui vous permet de régler vos vitesses. Vous voyez, quand vous tournez votre bouton, vous avez plusieurs vitesses. Et ben cette petite résistance, elle sert à ça. Et souvent c'est pas grand-chose. Donc je démonte et puis on verra après, on se retrouve après pour voir ce que ça peut être. Alors en fait ça n'a pas duré longtemps mais c'est super simple, il y a juste deux vis enlevées, la boîte à gants sort toute seule, donc vous voyez sur quasiment toutes les voitures vous avez le ventilateur qui est là, c'est souvent sous la boîte à gants, et vous cherchez un gros faisceau qui doit partir dans un petit boîtier, donc ça doit être derrière, je vais regarder là justement,
Et vous voyez, c'est peut-être par là. Non, là-bas, ça, c'est le filtre d'habitacle, ok? Et ben derrière, je vois qu'il y a des cosses là-bas. Je vais aller vérifier si c'est pas derrière. Voilà, donc j'ai démonté le filtre d'habitacle. En fait, il y a des petites gaines qui s'enlèvent super bien, là. Franchement, ça se démonte plutôt pas mal. Vous voyez, puis en fait, le petit machin qu'on cherche, regardez, il est là-bas. Et là, je découvre comme vous. Vous voyez, c'est ça qui peut-être pose problème. Voilà. Après, j'ai pas encore testé. Donc là, je vais le démonter et je vais tester aussi le ventilateur en direct, voir s'il fonctionne. Voilà, donc ça pourrait être ce petit accessoire qui pose problème. Donc vous voyez, en fait, tout ça, ça correspond à des vitesses de ventilation. Et là, vous avez plus et le moins qui sont branchés là-haut. Et puis ensuite, vous avez votre ventilateur. Et puis, bah, ça règle les vitesses. Voilà. Donc souvent, c'est ça qui merde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le brancher en direct. Je vais faire toucher les deux plus. Et on va voir si le ventilateur, il tourne. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer vraiment un truc tout simple. C'est pas trop réglementaire, mais je m'en fiche. Je vais essayer de rebrancher le noir avec des petites cosses. Et le rouge, je vais essayer de faire contact. Et si le ventilateur se met en route, bah, ça voudra dire déjà que le ventilateur il est pas mort. Et donc dans ce cas-là, bah, c'est quasiment sûr que c'est la pièce que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc là, j'ai bien le moins dans le moins et le plus dans le plus. Au début, moi, je fais toujours toucher un tout petit peu comme ça, si une étincelle. Voilà. Le ventilateur fonctionne. Donc je suis quasiment sûr de ma panne. C'est ce petit boîtier. Si vous avez un Zafira ou un Opel Astra, bah, toutes les Opel dans les années 2002 à 2004 ou 2006, je crois, bah, c'est ce petit machin-là qui merde, tout simplement. Vous voyez, c'est pas grand-chose, hein. Je crois que ça coûte 20 ou 30 euros. Mais si vous arrivez à vous débrouiller à faire ça vous-même, vous avez vu, c'est pas bien compliqué. Franchement, ça va vous revenir pas cher au garage. Je sais pas combien ça coûte, mais je pense que ça coûte, ça va pas coûter 30 euros, quoi. Voilà, si vraiment vous savez pas faire, vous faites au garage, il n'y a pas de souci, hein. Mais si vous voulez essayer de vous débrouiller tout seul, bah, une petite astuce, tiens, voilà. Ah, trop bien! Regardez ce que je viens de découvrir! Je suis ton père! Non, sans déconner, ça en fait c'est votre recyclage d'air, c'est-à-dire que si vous le fermez, il prend l'air dehors, et si vous l'ouvrez, il recycle votre air de l'intérieur, voilà, il prend pas l'air de dehors, vous voyez, ça ressemble à ça. Et en même temps, c'est très marrant. Ouvert. Fermé. Ouvert. Fermé. On se retrouve aujourd'hui, on continue notre petit travail de recherche au niveau des 4K. Donc on se renseigne gentiment, à droite, à gauche, on va sur internet, lesquels sont costauds, lesquels sont pas costauds, lesquels sont grands, les chevaux, la puissance, tout ça. Et là, on va voir un Patrol. On va voir un Patrol dans les années 2003-2004, donc c'est ce qui nous intéressait, surtout pour voir comment c'est agencé à l'intérieur, voir le châssis, tout ça. Et là, sur la route, on a vu ça, regardez. Il y a un Land Rover, un Land Cruiser, non, il y a un Defender Land Rover, enfin, il y a un Defender, un Land Cruiser Toyota et un Patrol, un vieux Patrol. Donc, je vais surtout aller voir le Land Cruiser, parce que là, ceux-là, ils roulent super bien. Mais est-ce qu'ils sont costauds? Après, c'est suspension indépendante à l'avant. Mais je vais justement aller voir s'ils sont gros à l'intérieur, voir s'il y a possibilité de fixer des galeries de toit facilement. Apparemment, ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, parce qu'il n'y a pas de gouttière. Donc on va aller voir vite fait ça avec Charlotte et on retourne après voir le Patrol à tout à l'heure. Bon, en fait, les véhicules, ils étaient pas... C'est vraiment trop nul. Les véhicules, ils étaient pas à vendre. Mais bon, c'était intéressant parce que le monsieur super gentil est venu me voir et dit, bah, ils sont pas à vendre. Non, non, en fait, c'est les véhicules qu'on a en réparation et tout. Ils ont refait tout le Defender à neuf. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui s'était arrêté pour dire, est-ce qu'il est à vendre, le Defender? Non, non, on l'a refait, c'est pour un client. Ils ont refait tout le châssis et tout. C'est super bien fait. Il m'a confirmé que il y avait pas mal de fuites sur les Defenders, mais que c'était assez costaud quand même. C'est vraiment plein de petits problèmes au niveau des fuites et des accessoires qui fait que ça peut des fois vous pourrir un voyage si vous y connaissez pas en mécanique. Et ensuite, on a regardé le Land Cruiser, donc bah ça fait beaucoup plus SUV. Ça fait beaucoup plus SUV, c'est suspension indépendante à l'avant. Il m'a dit qu'il n'y avait pas trop de problèmes sur ces véhicules-là, qu'ils étaient costauds, tout ça. Et voilà, ça fait... C'est déjà un peu plus confortable. Hein. Il fait beaucoup plus confortable, le Defender, ça fait vraiment camionnette. Ouais, c'est clair. Et mais par contre, voilà, l'intérieur, il fait pas si grand que ça. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de plastique, beaucoup de trucs, mais pour pas grand-chose.
Et il n'y a pas de gouttière pour les galeries. Ouais, mais c'est un 5 places là aussi. Ouais, là c'est un 5 places. Oui, mais le 7 places, il n'est pas plus long, chouchou. Ouais, c'est vrai, t'avais. Il n'y a pas beaucoup de place. Nous, c'est ça qu'on veut voir. Et ce qui est bien, c'est que bah, y a quasiment 30 cm de plus sur un Patrol par rapport à un Land Cruiser. C'est bien, on avait les trois. Donc on va voir tout ça. Ouais, il y avait les trois. On n'a même pas regardé le vieux. Ouais, mais ouais, on n'a pas regardé. Ouais, non, ça c'est trop. On ne va pas prendre trop vieux. Voilà, allez, on continue notre petit tour. À tout à l'heure. On vous laissera nos impressions sur le Patrol. Et si on arrive, on ira faire un tour ensemble. T'es en train de rêver sur du poulet là. Hein? Ouais, des poulets crispy. Des poulets crispy. Ça va être trop bon en fait. Bon, nous on attend en fait et on a été en ville, c'était en plein centre-ville de Tours. Ça m'a pris la tête, j'ai dit allez hop, je me trace de là et on est parti à quoi, 3 km. J'ai appelé le monsieur, j'ai dit bah écoutez, venez nous faire voir parce que moi je vais pas en ville, c'est mort. Voilà, donc il va arriver et puis Charlotte elle va essayer de nous filmer. On va voir si c'est bien quoi. Ok. Salut à tous. Alors aujourd'hui, on est vendredi et on a une amie qui vient pour que je fasse un petit check en fait sur son camping-car. Elle vient de s'acheter un camping-car, un J5, la cellule, je sais pas, je crois que c'est une cellule pilote ou autostar, je crois que c'est une pilote en profilé. Et faut lui refaire un petit check avant qu'elle parte. Là, elle veut partir un petit peu cet hiver et il y aura un petit peu plus de boulot à faire au printemps. Mais là, dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est lui réparer son chauffage. Une bonne révision aussi du chauffe-eau, réparer sa pompe à eau qui fuit, lui remettre une batterie cellule, nettoyer le réservoir d'eau, enfin voilà, vraiment faire un petit check. La mécanique, ça a l'air d'aller. C'est vraiment au niveau de la cellule, faut faire un bon bilan là et puis réparer ce qui va pas pour qu'elle puisse partir tranquille cet hiver. Voilà. Donc je fais ça aujourd'hui et puis nous on se retrouve demain. Ok ? À demain. C'était long, on a eu froid nous, alors c'était bien. Voilà ce qu'on a fait un peu cette semaine. Et on revient sur les portraits. Ouais. Ma petite Charlotte, oui, revenons sur ces portraits. Je vous écoute Jérémy. Est-ce que ça a bien plu? Alors ça a super bien plu. Vous êtes nombreux à nous demander une série 2. Donc je ne sais pas si ça va être du jour parce que ça nous a pris... Ça va être du taf. Hein. Bah, surtout toi, ça t'a pris beaucoup de temps, ça nous a coûté un petit peu d'argent. Au final, on est content parce que ça nous tenait à cœur et, Et ça a beaucoup plu. On a eu des super retours et franchement, on est assez content. Et là, on porte bien notre nom, Eva Drawer Forever, parce que tout ça, ça vient d'un pseudo rêve en fait. C'est ça. J'étais en plein sommeil et là, j'ai eu un flash. 5 jours, 5 portraits. Et je l'ai dit à Charlotte, ouais. Elle s'est réveillée un matin. J'ai dit, je veux faire une série. 5 jours, 5 portraits. Là, j'explique le truc. Je me suis réveillée. Elle a dit, bah ouais. Puis là, on a pris tous les contacts qu'on avait. On a essayé à droite, à gauche.
On a fait des portraits de gens, je pense à Opaline et puis Xavier, que vous ne verrez nulle part parce qu'ils veulent surtout pas être sur les réseaux, tout ça. C'est ça. Donc on a eu des exclusivités et merci encore à eux de s'être prêtés au jeu. Ça nous a fait vraiment plaisir. Donc, ensuite, les trois autres portraits, ils avaient des chaînes, donc c'était un peu différent, ouais, tout ça. Ouais. Mais voilà, on a eu des exclus et on voulait refroidir voir, surtout Xavier, on voulait refroidir voir quand ça se mit à slide, terminé, elle sera ouais. terminée. Ouais. Donc je rectifie juste hein, parce que. Non, je ne me suis pas levée un matin. Il m'a réveillée en pleine nuit. D'ailleurs, tu veux que je te raconte le rêve que j'ai fait cette nuit? Ouais, tu me l'as déjà dit. On peut pas le raconter, là. C'était de la merde. Ouais, non, vaut mieux pas que je vous raconte. Voilà. Ça faisait longtemps, n'empêche. Ouais, c'est vrai que j'avais pas rêvé de toi comme ça. Tu pourras le raconter ce soir pendant le live. Ouais, je sais pas. Donc voilà, comme Charles a dit, on va se retrouver ce soir dans le live. On va pouvoir débattre de tout ça, de ces portraits. Si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Voilà, on va parler, hein, on va papoter de tout ça et de choses à d'autres. Et on va parler aussi de la semaine qui nous attend. C'est-à-dire, on va rejoindre. On va rejoindre Johan. Nos amis autour d'un monde, Johan et Déborah. Et Déborah. Mmh. Avec leurs enfants. Et du coup, parce que bah, voilà, leur camion, ça y est, il est vendu, ils ont acheté leur voilier. Et bah, Jérôme, ça lui tenait vachement à cœur d'aller les aider pour faire le carénage, pour gratter, pour travailler un peu. Est-ce que ça lui manque de travailler un peu? Non, mais en fait, je pense que j'arrive pas à rester sans rien faire. Hein. Ouais, je pense. Ouais. Mais moi, c'est pas que ça me tient pas à cœur. Vous allez dire, ah, ça tient à cœur à Jérémy. Non, mais moi, il y a les enfants. Donc, c'est vrai qu'avec au port et tout, avec les enfants, ça devient assez compliqué. Donc, on loue un Airbnb, c'est voilà. ça? Donc, Déborah nous a dégoté un petit Airbnb. C'est une grande maison. On va se retrouver à 6 adultes et 9 enfants. Donc, un grand Airbnb, on va être pas mal. Ça nous coûtera pas trop cher. Et avec la voiture, il faudra qu'on prenne un petit bout de bateau. Ouais, vers l'est sur de Gironde, vous savez, pour éviter de tout descendre et puis remonter ça va être comme top. Ça. Ouais. Et puis bah, voilà, on va lui rester une petite semaine. Et puis bah, après, quand on rentre, ça sera le contrôle des enfants. Voilà, et on vous montre tout ça en vidéo la semaine prochaine. Ça sera sur le bateau. Voilà. Et si vous nous bientôt... suivez un petit peu sur Insta, ouais, je te coupe, hein, mais si vous nous suivez un petit peu sur Insta, j'ai l'habitude, hein. Vous allez pouvoir c'est voir, que ça me couper. On va voir en story quasiment à l'instant T hein, ce qu'on va faire, où on est. Suivez-nous sur Insta, Charlotte, elle veut faire des swap-up en plus. Maintenant, il a lui, Philippe, ouais, là. Philippe. Attends, il nous nargue, jalouse. Il nous nargue. Il y a des astuces pour faire un swap-up. Oh, excuse. Il y a des astuces pour faire un swap-up. Oui, mais nous, arriver à 10 000. On veut arriver aux 10 000 sur Instagram pour faire les swap-up. Enfin, on veut bref, mettre la petite femme qui fait... Vous savez, vous savez que sur Insta, on partage quasiment au quotidien. Bon, il y a des jours où on ne partage pas parce qu'il y a des jours où bah, c'est vrai qu'on ne fait rien. Ou alors, on a envie de profiter. Et puis voilà, comme là, on a enfin la carte grise du bus. Ça, c'est génial. Et on est allé fêter ça au resto hier soir. Et en fait, bah, on ne vous l'a pas montré. Non, il y a des choses qu'on garde pour nous. Il y a des choses, c'est secret. C'est pas secret, mais on avait... Voilà, on a voilà, gardé... Voilà. Allez, assez parlé. Charlotte, passons à la suite. Arrête. Donc, Jérémy a beaucoup travaillé cette semaine sur les portraits, sur tout ça. Mais moi, c'est pas... Je suis dans l'ombre, hein, mais j'ai aussi travaillé aussi sur mon entreprise. J'ai beaucoup travaillé avec Anthony. Je lui ai donné quelques trucs à faire, donc c'est pas évident à gérer un petit peu mon entreprise. Donc, il a fallu qu'on se cale sur plein de choses. Donc j'ai passé des heures et des heures au téléphone avec lui, même des fois jusqu'à très tard. Mais c'est bon, je pense qu'on est à peu près calé. Et qu'est-ce que tu as à nous montrer, Charlotte? Et j'ai reçu une nouveauté. Donc Anthony m'a fait une proposition et j'ai adoré, c'était vraiment chouette. Donc dans quelques temps, il sera en vente sur ma boutique. Restons sérieux. Attention, messieurs, dames et messieurs. Et moi d'ailleurs, j'ai fermez mon petit porte-clés, yeux. Regardez. Je vais voir vite fait mon petit porte-clés. J'ai mis ça du coup, comme maintenant j'ai les clés de voiture. J'ai mis le petit porte-clés The Vadrouilleur Forever, regardez, il est trop bien. Si vous l'avez le porte-clés, hein, est-ce qu'il est trop bien? Il t'en reste chouchou des porte-clés? Oui. Et ils sont trop bien, oui, ils sont costauds, ils sont bien. Et en plus ils sont en promo en ce moment sur mon site. Ils sont trop bien donc ces petits porte-clés. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et moi c'est un petit bavoir. Ah, bavoir. Et franchement... Non, vous rêvez pas, c'est bien un bavoir. Et j'adore, il est trop chouette. Donc on peut le personnaliser, hein. Vous pouvez réduire un peu le logo, là c'est vraiment un petit prototype. Réduire un petit peu le logo, mettre le prénom du bébé ou de l'enfant ou de l'adulte. Ou du mari. Parce que je sais si que vous faites souvent des pour les anciens aussi. Hein. Ouais, des départs en retraite, des enterrements de vie de jeune fille, vie de garçon et tout. Quand on déguise le mari en bébé et tout ça. Charlotte, oui. Qui n'a pas rêvé de baver sur un bavoir The Vadrouilleur Forever? Voilà. Mais qui? Hein?
Et donc, du coup, ça peut être sympa, une idée de cadeau. Donc, ils sont bientôt c'est trop en cool. Vente. Donc là, ils sont en rose. Le liseré, il est rose autour, mais je peux l'avoir en différentes couleurs. T'as tout prévu et déjà. Ouais, tout est calé avec Anthony. Donc, vraiment, c'est... J'ai trouvé ça délire. Moi, j'ai trouvé ça délire. C'est vraiment marrant. C'est original. Rigolo. C'est original. Voilà. Voilà, c'est tout. On se retrouve ce soir pour le live. On pourra parler de tout ça si vous voulez. Rendez-vous tout à l'heure, 18h. À 18h. De bonne heure, de bonne humeur et à l'heure. Hein, Jérémy. Ok. Moi, je suis tout le temps à l'heure. Ouais. Hein, Charlotte? On est souvent à l'heure, c'est juste... Hein, ma petite Charlotte? Arrête, tu m'éclabousses. Oh. On fait des gros bisous. On vous embrasse. Et puis, à ce soir pour le live. Bye bye. Allez. Je m'en vais la tête de biais. Karaoké. Hey, eh, viens, on va acheter un micro, fais un karaoké. Ah, attends, j'aimerais trop envie de chanter. Attends, je peux te prêter un truc vite fait, si tu veux. C'est quoi ce truc? Emmenez-moi au bout de la terre. Allez, là, vas-y, chante. Ils font les malins, ils font les malins. C'est trop nul, ta chanson. C'est trop nul. Vive les casseroles! Wouh! Yeah, casseroles! Quand des sangs et des minutes blanches, des secondes insouciantes aussi peu que c'est. Bienvenue chez les Monniers. N'empêche que ça sera pas un avantage de tout jeter par la fenêtre. Il y a un avantage et un inconvénient. Tu détruis la planète 10 fois plus vite. Mais non. Tu pollues et t'as un gros cadeau. Là, on est obligé de mettre tout dans une poubelle. Quand on sera en 4x4, on pourra rouler. On roulera puis on jettera nos déchets par la fenêtre. En même temps qu'on roule, ça fait qu'on a plus de poubelle à prendre. Alors qu'on pourrait très bien avoir un petit sac et puis s'arrêter sur une aire de repos. Mais pourquoi on jette pas tout par la fenêtre directement? C'est ça que tu comprends pas. Parce que tu pollues la nature. Mais c'est pas grave, il y a des gens qui ramassent. Hein. Bah oui, il y a des gens qui ils ramassent dans les fossés. Ça se trouve, ils ramassent pas. Mais dans les fossés, ils ramassent les gens, ils tombent et les déchets après, voilà. Hein. Non ouais, je sais pas, je pensais à ça. Au moins, t'aurais plus de corvée de sac poubelle à faire. Ils tombent, comme ça au moins, comme ça ils tombent. Les déchets, ils sont encore plus petits, donc comme ça au moins. Ils vont plus profond dans la terre et du coup ils polluent encore plus. Ils polluent? Non mais t'auras plus de corvée de sac poubelle. Du coup, tu préfères faire des sacs poubelles? Bah oui.
plutôt que de jeter par la fenêtre. Ouais, toi, t'es bizarre. Ah, à mon avis, tiens, vous la porte, Loulou. Ah, je suis trop content. Alors ? Ça marche. Ah, cool. Merci à toi, Papa Family Vlog. Papa Family Vlog, il m'envoie un petit message vocal, il me dit, tu mets la clé dans le contact. Dans le contact. Tu fais le premier cran, t'appuies dessus, et là, ça fait clac, 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 clac. Hop, je fais la deuxième, clac, 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 et là, je sors dehors, et là, la voiture est fermée. Oh, canon. Avec les deux clés. Merci à toi. Tu vois, c'est génial les réseaux sociaux. Si tu prends le mauvais côté de la chose, ça peut être pourri. Mais si tu prends le bon côté des réseaux sociaux, eh ben c'est génial parce qu'il y a plein de conseils. Tu vois, on s'entraide. C'est ça la vie. C'est la vie.